Bonjour, ouverture du vlog. C'était absolument pas prévu, mais je viens de réaliser que c'était les soldes, donc je vais aller voir chez Gémeaux, chez Kiabi, ce genre d'enseigne rapidement, s'il n'y a pas des petits trucs sympas qui valent le coup, et ben ça va un peu changer les idées. J'ai trouvé des petites choses, je vous montrerai à la maison. Je viens de m'acheter une barre chocolatée. J'ai à moitié la tête qui tourne, j'ai pas mangé beaucoup. Je finis ça et je vais aller dans l'autre magasin. Il n'y a pas des masses. Il n'y a pas des masses de magasins. C'est un peu tristesse, quoi. Moi, j'habite dans une ville, c'est une sous-préf. Il y a 13 000 habitants. Et au niveau des enseignes, c'est pour ça que souvent, je vais à Chartres ou Orléans ou Tours. Parce que franchement, c'est pas ouf. J'ai encore faim, je vais manger ça. Voilà, c'est ça de ne pas manger beaucoup le midi. Ça n'a aucun sens. Ça n'apporte rien parce qu'après, ben voilà, t'exploses tout. Ah oui, j'en ai profité aussi... pour prendre rendez-vous, vu que c'était à côté au coiffeur. J'ai pas pris pour demain, hein. Enfin quand je dis pour demain, j'ai pas pris dans les 2-3 jours qui viennent, parce que j'ai tellement de choses ces jours à venir que je crois que j'ai pris dans une dizaine, ouais, 10 jours à peu près. Je ne vous ai pas repris hier, parce qu'il faisait trop sombre, donc je me suis dit que c'était pas pertinent, et surtout, j'avais full de taf, et résultat, il faisait après trop sombre, donc c'est pas grave. Je vous montrerai donc là, aujourd'hui, ça ne change absolument rien pour vous. Pendant que je suis là, je vous montre juste une petite chose qui a changé au niveau de la déco. Rien de fou, mais quand même, je vous montre. En attendant de peut-être trouver l'élément haut, donc reproduction, tableau, ce que tu veux, et bah, ce magnifique plateau qui m'avait été offert, donc Maison du Monde, je trouve que c'est très joli. C'est hyper harmonieux. Et bah, la lampe a atterri ici. Du coup, il y a encore eu un switch. Je vous avais dit, hein, rien n'est figé. Et pendant que j'y suis, parce que j'ai eu également la question, comment est ton plafond? Alors déjà, c'est très haut de plafond. Je ne sais pas exactement combien, mais il y a au moins 3 mètres. Et bah, le plafond, je vous le montre. Il est très haut, il est comme ça. On avait mis des petites moulures, évidemment. Et ça, c'est le tout premier élément décoratif que j'avais pris quand on a acheté la maison. On va se mettre dans l'autre pièce. Il est tout excité, il est en train de faire des va-et-vient, Jack. Et je me dis que j'ai oublié. Il faut que je demande à Eric qu'il m'aide pour le grand miroir, qu'on le mette dans la pièce là où je vais tourner. Je le ferai peut-être toute seule, comme ça je vous montrerai dans cette vidéo. Ouais, parce que là c'est quand même un petit peu vide. Voilà. Dans ce sac, nous avons bah, du Kiabi et nous avons et bah, du Gémeaux. Je vous ai posé sur trépied, ce sera plus pratique pour moi. Je vais prendre comme ça me vient, je pense. Ça! Je crois que c'est un petit peu c'est de la nouvelle collection. Il y a eu des soldes, hein. J'ai des choses à moins 30, j'ai une veste, enfin, il y a eu pas mal de petites soldes sympas. Donc là, Kiabi, pull, et ces couleurs, je les ai vues. Je pense que c'est la tendance du moment. Je sais pas si ça me va. J'ai pris M pour être à l'aise. Et c'est un pull qui coûte 20 euros. J'avais oublié qu'il y avait une fenêtre. Au niveau du confort, très bien. Au niveau des couleurs, pas mal du tout, je trouve. Je n'avais pas de modèle comme ça. Et la longueur, il arrive au niveau du haut des fesses. Première tenue validée. Alors ça, c'est vraiment le genre de petite chemise que j'adore porter au quotidien. J'ai pris XS. Ah mince, bon, c'est pas grave. Moins 30%, parce que je vais l'essayer, mais je pense que non pour le coup. 30%, ce qui veut dire que 12 euros, 11 euros. J'aime beaucoup, moi, les petites chemises comme ça rayées. J'avais pas cette couleur. Mais XS en fait, sauf si ça taille grand. Bon bah c'est la taille parfaite. Même en bombant le torse, ça me sert pas. Au niveau des bras, c'est impeccable. XS, donc en fait c'est que ça taille grand, tout simplement. Ah j'adore. Alors là je suis tellement confortable. Et en fait, je recherchais une chemise comme ça pour pouvoir mettre sous des pulls, des gros pulls. Elle tombe bas, j'avais pas fait gaffe, sous, bien nettement sous les fesses. Et devant, c'est beaucoup plus court. Toujours chez Kiabi, je l'aime beaucoup. C'est comme un petit gilet court, boléro, plus ou moins taille S. Je vais l'essayer avec cette chemise. Parce que dans tous les cas, c'est quelque chose que je porterai pas seule. 15 euros taille S. Et celui-ci n'était pas en solde. Alors, il est très mignon, mais finalement, pas avec ça. Mais c'est pas grave. Au niveau de la taille, c'est parfait. Vous voyez, quand je vous dis que c'est court, ça arrive vraiment au niveau de la ceinture du jean, enfin de la... Du haut du jean et les gros boutons comme ça marron, j'aime bien. Donc j'ai pris une petite chemisette toujours chez Kiabi. Je me rappelle, voilà, il y a des petites rayures blanches et bleu ciel. Ah, mais encore, je me suis trompée. 34. Pourquoi je fais ça? Donc ça fait XS. Bon, si c'est comme celle-là, ça va. Mais... Quel est son prix? 10 euros. Alors là, par contre, non,
c'est un peu juste quand même, hein, au niveau de la poitrine. Les bras, ça va. Ici, ça va aussi, mais là, vous voyez. Ouais, non, non, puisque regardez, je crois que ça fait un peu ouverture. Ouais, non, ça va pas. C'est dommage. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Donc, toujours chez Kiabi. Et bah, je vais montrer avec le trench que j'ai pris, qui n'est pas, qui est de chez Gémeaux, parce que je pense plus pratique pour l'essayer avec ça. Gros coup de cœur que j'ai essayé en magasin. 30%. Très joli trench, un petit peu. Attendez, effet suédine d'un. Et nous, il était à 44, du coup, bah faites les calculs, hein, 30%. Et j'ai pris taille 36. Il arrive en haut des genoux. Où sont les boutons? Il n'y en a pas. D'accord, ok, bon, bah, ça va être juste avec la ceinture. Non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va parce que ça va. Côté mystérieux de la chose. Non, il est magnifique. Il est très bien, finalement, les boutons. Voilà, là, je l'ai vraiment hyper bien cintré, comme j'aime. Il est magnifique, hein. Je valide complètement, même s'il n'y a pas de boutons. Il est trop beau, hein. Gémeaux. On poursuit. Ah bah. Non, mais il vient de s'installer sur les fringues que je mets au fur et à mesure. Carrément sur le tas de fringues. T'as de la place partout, mais non. Ensuite, on revient chez Kiabi. Et je me suis pris une robe. Un petit peu robe pull. Alors en général, ces cols là rondes me vont pas ultra bien, mais ils sont très pratiques si tu veux mettre notamment ça en dessous pour casser le côté rigide. J'ai une petite ceinture, je vais voir, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, j'ai pas du tout essayé. Taille S, 15 euros. Il n'y avait pas non plus de promo là dessus bon bah clairement je suis très contente. C'est super joli, elle est très agréable. Et en fait, ça, ça me va, hein, au niveau de la taille. Et regardez, je l'ai mise avec une ceinture. Le petit élément. J'ai mon jean parce que flemme d'enlever le jean. Et je pense que je le porterai avec des collants en laine. Je vous montre quand même, je me recule, même si bah, avec le jean, ça va faire plein de petits bourrelets. Je vous montre quand même où elle arrive. Voilà. Elle arrive juste au-dessus des genoux. Oh, elle est trop belle. Waouh, oh, je suis contente. Vous voyez comment ça habille tout de suite avec un col comme ça, collier. Je vois bien, alors pas sautoir, parce que pour vous ça va faire trop classique. Par contre, petit ras de cou. Les cheveux attachés, parce que là mes cheveux ils sont un peu ce qu'ils veulent. Waouh, oh, j'adore le look. Pas besoin de se réunir, hein. Tu peux te faire des looks très sympas. Et bah écoutez, c'est un sans faute. Tout me plaît, tout me va, même ça. Finalement, S, ça passe. XS. J'allais oublier. Non, je vous l'ai montré. Je sais plus. Bon, des chaussettes. J'en ai pris 10 paires. 10 petites sockets comme ça. Je vous montre quand même Jack. Sur la montagne? Tu t'es mis sur la montagne de vêtements, c'est ça? Oui. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Regarde ses yeux. Je trouve qu'il a des yeux de dinosaure. Mon petit loup. De toute façon, ils vont partir. Tout va partir au lavage. Mais pas toi. Est-ce que tu fais encore des bêtises à ta mère? Ouais, tu peux baisser la tête. Ça veut dire oui, maman. Bon, bah finalement, je l'ai déplacé toute seule. Il était lourd, quand même, un petit peu. C'est pas hyper centré. Je l'ai vraiment positionné. Ça habille déjà un peu plus. C'est vrai que quand t'es habitué avec le doré, c'est autre chose. Par contre, je pense que soit je vais enlever les étagères, enfin les mettre ailleurs, ça pour le recentrer, et peut-être mettre des éclairages, des petites LED, des petites guirlandes autour pour égayer le tout. Mais franchement, ça, je pense que je vais faire un truc sympa. Et là, vous me voyez de plein pied, finalement, avec la robe. Je vais devoir filer chercher tous les flyers de janvier chez l'imprimeur, parce que là, comme je vous ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vais rentrer dans la phase de production. D'ailleurs, en parlant de ça, nous sommes passés à la box de février. Je vais vous donner une exclue. Donc là, actuellement, nous y sommes. Déjà, ne passez vraiment, vraiment, vraiment pas à côté le thème. Escapade parisienne. Très Émilie in Paris, ça va être tellement joli.
vraiment. Et comme, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'essaie de vlogger, enfin de publier une vidéo un jour sur deux. Ça reste quand même un rythme assez important, surtout quand à côté t'as d'autres trucs à faire, enfin le boulot. Là, je vous ai dit, donc je rentre dans la production des box de janvier, ce qui veut dire que ça risque d'être un peu compliqué pour moi de produire à la même fréquence. Je vais essayer, mais voilà, je vous promets rien. De toute façon, on communique ensemble toujours sur Insta, je vous tiens au courant. D'ailleurs, si vous me suivez pas, bah, c'est le moment, Caroline Rouxel. Et voilà, je vais arrêter ce vlog maintenant. Si je veux pouvoir le monter maintenant et le publier ce soir. Voilà, parce que je suis toujours en flux tendu. Oui, le jour pour le jour. Nous sommes le jeudi 12 septembre. Non, pas du tout. Jeudi 12 janvier. Voilà, c'est mieux. Bon, écoutez, un gros bisou à vous tous. Et à très vite pour la suite des aventures.